Salut à tous, c'est Seco, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, c'est extrêmement bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va refaire un urbex. Donc les gars, juste avant que la petite vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre petit pouce bleu des familles. Et puis, c'est parti. Du coup les gars, on va visiter ça, c'est magnifique. Mathis, évitez de faire du bruit, il y a des gens juste à côté. Les gars, j'ai retrouvé Gripsou. Oh, les gars, franchement, c'est incroyable ce qui se passe. Du coup, là, on va essayer. On va... Oh putain! Eh, la charpente, elle est pétée ici. Eh, c'est un truc de fou. Et on va essayer de faire le moins de bruit parce que du voisinage juste à côté. C'est un truc de ouf. Regardez. Je sais pas si vous voyez. C'est incroyable. Désolé pour la qualité de son parce que du coup, je chuchote. Mais c'est incroyable. Les gars, on continue à explorer ce qu'on a. Oh, c'est glauque de fou. Du coup les gars, je vous régale avec deux urbex, franchement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et surtout de gros urbex. On va faire gaffe, on marche parce que c'est vraiment pété de partout. C'est incroyable aussi. Donc les gars, on va monter en haut, mais on va essayer de faire gaffe quand même, parce que regardez, pour éviter que ça se pète, ils ont mis des sortes de piliers porteurs, des trucs vite. Donc on va essayer de faire le plus doucement possible, parce que si ça se pète, on est totalement dans la merde. Vas-y, j'y vais. Oh putain, il y a même un souterrain. Non, par contre, allez doucement vers le haut parce qu'ils ont mis des piliers porteurs. Donc, si ça se pète la gueule quand on est en haut, c'est fini. Ouais. On y va chacun notre tour, comme ça on est sûr que ça pète pas au cas où. Vas-y. Eh, je suis pas confiant dans les escaliers, c'est un truc de ouf. Donc, les gars, s'il y a les keufs qui sont là, franchement, je suis refait. Oh sa mère! Mathis, tu vas bader, toi, avec le vertige. Mais on aurait pu passer par là, il y a des vrais escaliers là. Il y a un piano et tout, c'est magnifique. Du coup, bon. Bon, les gars, qui veut jouer Ninja Warrior, mais t'as qu'une vie. C'est incroyable. On va faire gaffe. Mais c'est impressionnant. Ça se voit que le truc est totalement en ruine. C'est un truc de fou. Les gars, ce sera une petite vidéo. Hein. On va pas essayer de faire ça à la longue. Il y a quelque chose en haut? Ouais, c'est d'arbre. Et c'est celui. Donc là les gars, c'est là où on était tout à l'heure, nous on était juste en bas, on était juste là. C'est un truc de fou. Putain, il y a un truc. Je veux pas m'aventurer. Ouais. Bon, on y va pas, là c'est pas solide du tout. Là j'ai voulu m'appuyer mais c'est mort. Putain, je te jure. Bon les gars, pour ceux qui veulent faire vos maths, celui qui me fait ça, je lui paye 10 kebabs. Dernier étage, mais par contre on va vite se dépêcher comme j'ai dit, parce que s'il y a les keufs qui arrivent, on est totalement dans la merde. Mais what the fuck? Regardez les gars, c'est totalement pété. C'est un truc de fou. C'est incroyable les gars. C'est incroyable. Bon, on va éviter d'aller plus haut. Mais c'est beau, c'est vraiment beau. Du coup, il y a un souterrain aussi à aller visiter. On va aller faire ça tout de suite bien sûr. Du coup, on a déjà quasiment fait toutes les pièces.
On a déjà quasiment fait tout. Chut, ta gueule. Wesh. Pas possible ça. Ah, les escaliers aussi par contre. Sont... Chut. Il y a eu un bruit dehors. Il y a eu un bruit dehors, c'est Mathis. C'était toi dehors. Bon d'accord, il y a eu un bruit par contre. C'était toi. T'es parti, on allume notre lampe torche et puis on y va. Alors les gars, c'est très casse-gueule, donc on va essayer de faire attention. Les gars, c'est... Oh wesh, les gars, venez. T'es mort wesh. C'est cloque, ils font des rituels sataniques ici. On en a depuis tout à l'heure, de son truc comme ça. On va mettre de partir. Ouais. Wesh, ça rentre les gars, c'est cloque. Hein. On va éviter de mettre trop la lumière à la fenêtre. Ils sont partis là-bas. C'est incroyablement beau. Donc les gars, là je vous régale sur les vidéos urbex. Normalement, n'hésitez pas à aller vous abonner, à lâcher un petit like. Et puis il y aura d'autres vidéos comme ça. C'est un truc de ouf. Il a tous les salles à vendre. Ouais, vas-y, on va faire un zoom. Ok. Hein? Ok. Donc les gars, je vais chuchoter parce que... Ah, évitez de faire trop de bruit. Les caisses Turpex est vraiment incroyable. Les gars, qu'au partir déjà. Je sais, cette vidéo a été très courte. Mais les gars, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu les familles. Et puis, on va se dire ciao pour une vidéo ou live. Allez, ciao les potes. Les gars, comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, comme d'hab, il n'y a pas de problème là-dessus. Pourquoi cette vidéo allait très vite? Car deux amis avec qui on était pour faire cette urbex, là dans la vidéo, avaient déjà eu des problèmes avec les voisins. Les voisins ont appelé la police quand ils ont commencé à rentrer. Du coup, ils n'ont pas pu le visiter, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais du coup, les gars, je vous laisse avec cette petite vidéo. A plus les potes.